Salut à tous, c'est... Le dépeceur de pixels. Hello, salut monsieur au chapeau, hello. Eh bien, c'est devant ce magnifique gendarme que nous allons commencer la découverte de ce Assassin's Creed Unity. Alors ce Assassin's Creed Unity, évidemment, est un jeu qui m'intéresse plus que les autres parce que il y a quand même la capitale française qui a été modélisée avec des très belles architectures et des très beaux bâtiments. Donc ça, j'avais envie de le voir et de le découvrir. Je rappelle que ce jeu a été édité, développé par Ubisoft Montpellier et Ubisoft Montréal et il est sorti le 13 novembre 2014 sur toutes les bonnes plateformes de jeux vidéo, notamment PlayStation 4, dont vous voyez la version de cette console en direct avec moi. Il est sorti évidemment sur Xbox One, sur PlayStation 3, sur Xbox 360, sur PC, et voilà, hein, évidemment, on a fait un peu tout le tour des plateformes actuelles qui permettent de s'amuser et de gamer librement. Alors nous voici, regardez, c'est très très bien animé, c'est magnifique, les gens sont costumés, les gens sont colorés, les bâtiments sont jolis, c'est assez fluide. Malgré des animations conséquentes, on peut quand même regarder un framerate constant. Je pense que ça doit tourner en version console à du 30 fps, mais constant. Alors, est-ce qu'il y aura des ralentissements lors de certaines séquences? Ben ça, je le verrai. Je pourrai vous donner la réponse une fois que j'aurai fini le jeu. Mais pour l'instant, je peux vous annoncer que c'est une découverte vraiment pure et dure en même temps que vous, car j'ai joué il y a un mois pour faire la petite introduction. Je me suis dit pourquoi à chaque fois lancer le début du jeu quand c'est une intro. Là, tout le tutoriel est passé et là je vous fais la découverte à partir d'ici. Tiens, là par exemple on peut voir qu'il y a un coffre. Alors ce coffre là c'est quoi? On va aller voir tout ça ensemble. On va essayer de faire des petites choses. Il a eu peur. On voit ici que ça travaille dur. Il a eu peur, mais il n'a pas été agressif. Donc on ne va pas se battre. Je ne sais même plus d'ailleurs comment on se bat. On verra bien. Bah, si une bagarre se déclenche, il va falloir que je retrouve Dantan ma dextérité. Et c'est vachement animé. C'est très 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 sympa. Alors le coffre indique quoi, je ne sais pas. Oh, tais-toi Périchard, allez hop. Allez, on va monter, voir ce qui se passe. Et hop, une vraie araignée ce gars. Alors le coffre, je ne sais pas vraiment. Ah mais dis donc. Pour glisser plus vite, ouais, d'accord. Là j'ai vu qu'il y avait comme un halo, un halo de lumière qui certainement, bah, nous annonçait la présence d'un trésor. Alors, regardez, on voit vraiment, il y a des animations très sympathiques, on voit les gens travailler, on voit les gens bavarder, ils papotent, ils se racontent ce qu'ils ont fait la veille, les dernières petites actualités, qu'est-ce qui s'est passé hier. Pas du tout c'est qui voit quoi, ce que c'est ce trésor, mais... Non, je veux redescendre. Alors ça, c'est quelque chose qui m'agace dans les Assassin's Creed, c'est que parfois on veut faire une action et il fait complètement autre chose. Alors. Bon, toi, le meuleur. Tu peux pas me dire où il se trouve, le trésor? Je prépare quelque chose. Rejoindre le domaine de la serre, ça c'est ce que je dois faire en tant que quête principale. Bon bah allez, on va aller plutôt rejoindre le domaine de la serre. On va traverser les maisons. En même temps, ça vous fera un aperçu du côté esthétique de ce jeu.
Bonjour messieurs dames, je traverse votre maison, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas de toute façon. Vous laissez vos portes ouvertes, moi, je m'infiltre. C'est vrai que c'est joli. Hein. À chaque fois, c'est ce qui est très impressionnant, regardez, c'est les détails. Hein, les détails que les développeurs réalisent dans ce genre de jeu. Quand par exemple, on peut voir les détails de ce carrosse, par exemple. Vous voyez les dorures, les petits arcs de cercle qui contournent le carrosse. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Regardez le mec qui est en train de réparer la roue du carrosse. Non, c'est super. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas pisser parce que tu vois, j'aurais pissé sur la tête. Ça aurait été comique, non? Oh là 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 là. C'est pas possible. Allez, hop! Une petite escalade, on se la joue à la Spider-Man. Ah, si je pouvais être aussi souple que ce gars. Et c'est loin d'être le cas, hein, je peux vous le dire. Bon, mais je découvre en même temps que vous. On peut quand même. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est quand même que c'est fluide. C'est-à-dire que c'est très constant dans les images par seconde. Alors, évidemment, il y aura toujours le combat, oui, mais bon. Sur PC, moi ça tourne à 60 images par seconde. Écoutez, moi franchement, j'ai aussi un PC. Maintenant, moi ce qui compte, c'est que ça soit jouable. Tout simplement. J'ai un peu passé ma cutie de qui avait la plus grosse. Je vous l'avoue vraiment et complètement. Parce que quand on parle de PC et de console, c'est surtout celui qui a le plus gros portefeuille qui va l'emporter. Alors évidemment, vous savez, les jeux vidéo, ce sont des jeunes qui jouent aux jeux vidéo beaucoup. Alors quand on commence à rentrer dans la vie active, on a un peu plus d'argent, on peut se permettre de se faire monter des petits PC sympathiques ou d'avoir un peu toutes les consoles. Mais quand on est jeune et qu'on a une PlayStation 4, qui donne? Ah ben voilà, attention, je vous laisse regarder ça. Mais où donc étais-tu? Dans ton cul! Ah! On tient enfin, espèce de salaud! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Au contraire, m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Élise. Alors, mémoire terminée. Continuez, voir dans suivi de progression, évaluer cette mémoire. On va continuer. Vous avez remarqué le détail des faciès des personnages? Moi, j'ai vu, par exemple, là, vraiment des détails sur sa peau. C'est vraiment un travail incroyable. Regardez quand même chaque détail. Voilà, la petite brillance sur les diamants du lustre. Bon, évidemment, par exemple, les livres, c'est un peu juste une image 2D installée, mais regardez les effets du soleil dans les arbres qui rentrent dans la salle. Sur la carpette rouge, là. Enfin, la carpette, pardon, on va dire le tapis rouge. On voit vraiment qu'il n'est pas spécialement plat, qu'il y a des petites vagues dedans. Enfin, c'est réaliste, c'est joli. Hein. Franchement, regardez les dorures, comme c'est bien fait. Et ces tableaux, hein, c'est magnifique. Allez, on regarde pour le plaisir des yeux l'architecture de ce bâtiment. Là, je rappelle qu'on est, on est vraiment au tout début du jeu.
J'ai fait le tutoriel il y a un mois d'ici. Je n'y ai plus joué, je l'ai relancé aujourd'hui pour vous faire cette découverte. Car je crois que franchement, au vu de sa beauté esthétique, ça valait le coup de faire une petite découverte. Alors tiens, il y a quelqu'un là, qui a un point d'exclamation. Séquence 1, mémoire 2, les états généraux. On va la faire, hein. On va la faire ensemble. Donc déjà, ce qu'on a pu découvrir, c'est quand même que le jeu est très beau. Je vous laisse regarder, on en reparle après. Ça te plairait, n'est-ce pas ? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place ? Les chevaux doivent être étriés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez! Nom de Dieu! Nom de Dieu, nom de Dieu! Tu as des ennuis, mon ami? Une missive! Pour messire de la serre, une missive cruciale! Oh, garde ton sang-froid, Perrault! Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui. C'est très. Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Allez, montre-nous! Ton côté svelte. Monsieur de la serre, arrêtez-vous! On ne passe pas. Tu vas devoir faire le faites tour. Place, faites place! Allez, on va escalader. Que dis-tu? Bon, on va essayer de rattraper ce carrosse, hein. Tu vas ralentir, bon sang! Allez, hop. On est sur les toits de Paris, les amis. Et on essaie de rattraper ce carrosse. Elles se ressemblent toutes. Et hop. Mais qui est ce cocher, Pélops ? Allez hop. Sur les cordes. On va essayer de rattraper le cocher. Allez, on court. On continue. En tout cas, elle a une très bonne condition physique parce que moi, ça ferait longtemps déjà que je serais par terre. Monsieur de la serre ! Ah ! Mes excuses, je me suis trompé de voiture. C'est malin. Il faut que je prenne un peu de hauteur. D'accord. Il faut qu'il prenne de la hauteur. Est-ce que c'est Notre-Dame ? Ce joli clocher. Car j'ai lu que l'architecture de Notre-Dame a été réalisée pendant de longs mois. Je pense que c'est Notre-Dame, hein, les copains. Ça, c'est une architecture que j'avais envie de voir et c'est super qu'on la découvre aujourd'hui. Et hop, on monte. Regardez les vitraux. On va essayer de repérer le carrosse. Toujours aussi agile ce héros. Voilà un aigle. Allez, bouscule-toi. On va synchroniser. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Ah. Les états généraux, 5 mai 1789. Les voilà. Alors. Ok. Et regardez le saut de l'ange. Si c'est pas beau pour descendre. Ok. On va essayer de.
Alors, est-ce qu'il va falloir avoir recours à de l'infiltration ? J'ai pas l'impression qu'on soit le bienvenu. Quoique... Ah, il y a des gardes. Et vision d'aigle. Pour utiliser la vision d'aigle et localiser les gardes autour de vous, appuyez sur le triangle. Évidemment, il y a des gardes là. Il y a aussi une foule dense pour franchir les gardes sans vous faire traverser. Traverser sans vous faire repérer. Hey, n'insiste pas. Allez, va-t'en. On ne passe pas. C'est complètement pourri, planté. Je suis jeté comme un malpropre. On va peut-être essayer de passer autrement. On va essayer de passer par ici. Entrer dans une zone non autorisée. Peut-être d'avancer furtivement. Là, il n'y a pas de garde, on avance. Donc, toujours des phases d'infiltration. Nous sommes... Attention, il y a des gardes. Il y a des gardes, faut pas se faire repérer. Ils sont occupés. Vous voyez, on entend comme un trésor, c'est ce que je voulais trouver. Ah, il est là. C'est ce que je voulais trouver au début. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah mais voilà. Alors celui-là je l'ai trouvé. On va dire qu'on a eu 100$ et on a collecté un objet collectable. Ouh. Putain. C'est pas vrai, je vais essayer de me dissimuler ici dedans. La couleur de la mini-carte reflète l'état des ennemis. Jaune, s'ils sont soupçonneux. Rouge, s'ils sont... Boum, boum. J'ai pas eu le temps de lire. Bon, apparemment... Pour l'instant, ça fonctionne. Alors, ça va pas être facile de... passer en... sans se faire remarquer. Est-ce que, à cette distance, les gardes vont me repérer? Pour l'instant, ça va. On est dans la foule. On va essayer de passer à travers la foule. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Alors. On doit aller où d'ailleurs? Plus vite que ça, c'est compris? Trouver la gueule. Oh. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Alors, est-ce que si je reste... Attention, il y a un garde, on va essayer de se casser. Et qu'ils oublient ma présence. Donc, pour l'instant, le garde ne me poursuit pas. C'est pas mauvais signe. Alors juste une chose quand même, d'accord, on doit aller là, je mets un repère, donc c'est là-bas, mais rentrer dans le bâtiment, hein, ceci dit, donc, là il y a un garde, il y en a un autre là-bas, on va essayer de trouver, on va essayer d'être malin sur le coup, c'est pas gagné d'avance. D'accord, alors il y a le garde là qui vient de... qui m'avait repéré, qui apparemment a lâché l'affaire. Alors on va essayer... Toujours là, là ça devrait fonctionner. Et on est rentré dans le bâtiment. Ça
À faire semblant de rien. Salut, je suis un copain, les gars. Pour activer la vision... Alors, pour l'instant, il y a des gardes, mais dehors. Hein. Donc... On va essayer de... rejoindre l'objectif. Est-ce que c'est par là que l'on doit s'aventurer? Ça c'est de toute façon, peut-être que oui, peut-être que non. Ah, je crois qu'on est quand même dans le bon sens. Alors, on ouvre la porte. C'est dit à la base de données. Mission. Point d'intérêt. D'accord. Difficulté. Vision d'aigle, il y a des gardes là-bas sur la gauche, mais derrière la porte. On va le trouver, ce monsieur de la serre. Du moins, je l'espère. Je suppose qu'on peut pas rentrer dans cette pièce, non. Les gens sont occupés, on profite. En même temps, c'est un régal pour les yeux car c'est très 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 joli. Oula, et là il y a du monde. Là il y a du monde, les potes. Vision d'aigle. Déjà immense à mon avènement au trône, c'est encore accru sous mon règne. Si, de. Dispendieuse, mais honorable, en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire. C'est marrant parce qu'ils parlent déjà, vous voyez, à ce temps-là, ils parlaient déjà d'augmentation des impôts. C'est quelque chose qu'ils ont gardé. Vous pouvez remarquer que les hommes politiques, le gouvernement a toujours décidé de garder apparemment les choses historiques, donc c'est-à-dire de continuer à faire augmenter les impôts. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Au diable, soutien. On ne se hâtait de les fixer. D'accord, alors vas-y retrouver là le copain. Sur les objets ennemis, cibles proches de vous, un délai de récupération empêche de réutiliser immédiatement. Que je vous ai rassemblé. Où est ma cible? Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Ont montré à renoncer à leurs privilèges. Je ne vois que les gardes pour l'instant en bleu. De voir tous les ordres réunis de sentiments concourir avec moi au bien général de l'État ne sera point trompé. Entrer dans ma zone représente. Alors, mission accomplie. La mission est accomplie, mais. Dans les dépenses, des retranchements considérables. Accompli, mais je suis poursuivi apparemment. J'ai été repéré. Je me présenterai encore à cet égard des idées que je recevrai avec empressement. Mais malgré la ressource. Essayez quand même de. L'économie la plus sévère. De partir discretos. De ne pouvoir pas soulager mes sujets. On remonte. Aussi promptement que je le désirais. Il est à 30 mètres. J'espère qu'aucun garde ne va stopper mon évolution. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Et apparemment, il l'a repéré. Je vois. Et qui viendra prendre sa place? Un autre roi? Un conseil de sages? C'est là toute la question, n'est-ce pas?
Une trêve, alors. Diable, mais que se passe-t-il ? Mon brave, je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas ? Attrape-le, Hugo ! Faut croire que non. Alors, comment on se bat encore ? Attrape-le, Hugo ! Oh là là. Oh! Alors, si on voit une phase de combat. Calme-toi, grande bourrique! Je vais esquiver. Ah. Ouf, d'accord. Alors, ils sont à deux maintenant. Aïe aïe aïe! Corrige-le! Ouais, là, ça fait mal, ça fait mal. Ce n'est pas ton jour, n'est-ce pas, Victor ? Bon. À votre santé. Allez, j'ai su les mettre KO. Ah, halt ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'enfuis. Alors, il s'enfuit. Garde. Les gardes en bleu représentent les forces de l'ordre. Si vous attaquez ou tuez quelqu'un dans leur champ de vision, ils attaqueront. D'accord. Il est en train de s'enfuir. Putain, mais arrête, ne monte pas sur le carrosse, dégage de là. Et on va essayer de... Ah oui, ça, ça fait mal. On va essayer de... passer par les toits. Aïe, 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 ça, ça fait mal. Vite. Il faut s'enfuir. Nous revoici sur les toits de Paris. Vous devez fuir le secteur, mais évidemment, je l'ai bien compris. Pour l'instant, on est hors de la zone. Je suppose que la zone, le secteur est encadré de la couleur jaune. Pas spécialement, parce que là maintenant c'est devenu rouge, donc c'est encore pire. Essayer d'échapper à ces rôdeurs. Hors de question de retourner là-bas. Alors. Je les retrouverai à la maison. Et voilà. Apparemment, la mission était terminée. Et ça tombe bien car ici. C'est ici course libre. Attendez, je lis juste ce petit tutoriel fermé. Maintenez oui pour courir sauter. Ça tombe bien que la mission. Que la mission se termine ici, car c'est ici aussi que va terminer cette découverte de ce jeu. Alors moi, ce que j'ai ressenti pendant cette petite demi-heure de jeu, c'est quand même des bonnes sensations. Il est très joli, très détaillé, fluide, en tout cas constant. Hein, je ne le compare pas aux 60 FPS, voire plus d'un PC, mais il est constant. Les patchs, évidemment, qui ont été réalisés pour corriger ce jeu version console, eh ben, il fonctionne bien, car j'avais entendu qu'il y avait quand même des baisses de framerate. Ici, je n'en ai pas vu. Ça a l'air très jouable. Le scénario, à mon avis, doit être très sympathique. J'espère que ce jeu vous aura plu, que cette découverte vous aura plu. Je remercie encore MK de m'avoir prêté ce jeu. Il y aura bientôt des centaines d'autres découvertes. Et je vais même revenir parfois sur des jeux plus rétro que celui-ci, et bientôt une nouvelle série va venir sur ma chaîne, elle s'appellera La Cool Game, alors je vous expliquerai en temps réel ce que c'est que La Cool Game. Il y aura bientôt aussi un nouveau Culturopad, le numéro 2, car ça fonctionne pas mal, et puis je remercie aussi tous les abonnés qui sont pour l'instant sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir, merci pour vos petits messages afin de m'améliorer, mais aussi vos messages d'encouragement. C'est très sympa. Je vous dis à bientôt les amis !